Oh yo yo, c'est encore lui, c'est le rappeur ambulant, c'est le rappeur nomade. Dans mes waka, après soi, je suis en Kol Fuluga, check un peu le carrefour, voilà. Ici c'est un Kol Fulu. Amène la caméra ici mon cousin. Alors je me suis arrêté, j'ai tamponné les gars. Et comme le concept doit marcher, ça doit arriver jusqu'à dans les marchés. Bon les gars, moi c'est Tilo, vous voyez. Désolé si ça vous dérange. Moi je suis là pour rapper. Moi j'aime le rap, j'espère que vous aimez aussi. Et je voulais faire un freestyle. Je voulais que vous... Just like, I wanted to inspire me. Je veux que vous m'inspirez en fait. Par rapport au freestyle, me donnant soit un mot, soit des expressions. Vous voyez. Et puis on va s'amuser. Et puis pendant que je vais rapper, vos expressions doivent apparaître. Bon, c'est simple. Moi c'est Tilo. Bon, toi tu me donnes quel mot mon frère? Marché. Marché. Ton nom c'est quoi en passant? Gazo. Gazo. Gazo, Gazo. Gazo. Gazo a dit marché. Yeah. Moi je dis pas de brise, pas de pause. C'est une expression. Pas de brise? Pas de pause. Pas de brise, pas de pause. Yeah. Marché. Parfois tu donnes? Oui, moi je dis la femme n'est rien sans l'homme. La femme n'est rien sans l'homme. Yo. Marché, pas de brise, pas de pause. La femme n'est rien sans l'homme. Bon, on met la prod. Voilà, c'est le rappeur ambulant, le rappeur nomade. Marcher, la femme n'est rien sans l'homme, pas de brise, pas de pause. Yo, la prod elle est lourde, toi-même tu es lourd frère. Quand je regarde dans tes yeux, tu es ambitieux, donc tu veux beaucoup d'argent frère. C'est clair frère, c'est ça le pays. Si demain tu veux utiliser le pays, dans les filles, il te faut le riz. Donc faut voir, pas de brise, pas de pause. Pause, je me pose. C'est pas parce que c'est une pause. C'est juste parce que quand j'écoute le beat kicker, je me dis en fait que j'ai un micro. J'oublie, c'est un téléphone. C'est le iPhone, couleur blanche. C'est pour les pros, c'est pour les gars qui flashent beaucoup de go. Quand ça a trois caméras, on t'appelle le pétiseuse. Ici là c'est un Kol Fulu. Ici ce n'est pas comme ailleurs. Ici c'est un lieu où quand tu arrives, il faut être d'abord fort spirituellement. Sinon les vieilles mères te chopent et après ça on t'oublie normalement. À côté ce n'est pas que c'est le marché, non. C'est une route qui part d'un autre quartier. Est-ce que tu doutes? Mon frère, j'ai pas oublié, c'est ton mot. Et il fallait bien que j'ai introduisé ça un peu comme le cube qu'on dépose dans la sauce. Marché, quitté de soi jusqu'ici, frère. Papa, j'ai pas marché, j'ai pas pris le cas. J'ai ma voiture garée, c'est pas que j'ai pris. Non, j'ai les mounas. J'ai beaucoup de mounas. J'ai une femme à la piole qui prépare pour que job. Parce que la femme n'est rien sans l'homme. Il faut que je rassure, faut que je tape. Faut que je porte plus, faut pas que je nappe. Le beat continue de passer, tu sais pour la tête, ça veut dire que t'as envie de danser. Il est lui-même enjaillé, il ne fait que sourire. Quand il s'y est arrivé, il croyait que je t'aime maudit. Il voulait pas intervenir dans la vidéo. Maintenant il veut mixer, papa dans le monde. Ya, ya, moi c'est D-L-O. Sur Facebook, tu peux taper Ivy. I-V-2-E. Quand on fait les omelettes, il faut casser les œufs. C'est Dieu qui nous garde. Sinon, on ne baisse pas la garde. C'est vrai que quand je rappe, j'ai beaucoup de rage. Un peu comme le chat qui est chez moi. Il n'y a pas que le chien qui veut avoir la rage. Moi, je viens de Simba. Là-bas, on mange tout. Surtout le chien. Quand tu arrives en Bangkok, garde ton chien. Si c'est le bulldog, papa, ça fait beaucoup de chien dans la mamie. Le rap m'a initié dans les choses tellement bizarres. Certains m'appellent la dynamite. Et Yves m'a dit dans mon quartier, il y a flop de rappeurs. Zeng, mais ce qui est si tu ne sèmes pas la terreur. Il y a les gars qui sont moyens et meilleurs. D'autres qui rappent en appelant le Seigneur. Entre temps, moi je fais de l'impro. Je n'ai rien écrit, donc j'improvise. Il est concentré à manipuler son téléphone. Peut-être qu'il a reçu un transfert de crédit. Ou peut-être que quelqu'un à qui il a fait le crédit est en train de rembourser sa dette. Il a baissé la tête, caché le visage. Peut-être c'est une forte somme d'argent. Merci les gars, pensez à Zilo. Fort! Donc c'est un peu ça, c'était simple.